Hola amigos, c'est Narpi et on se retrouve sur DMC pour la mission 4 du DLC avec Virgile. Alors un petit tour au magasin comme d'habitude, hein. Maintenant vous êtes habitués je pense. Donc on a récupéré le Yamato en mode démon. Donc on est au complet, on a toutes les armes. Ce qu'on va prendre, et eh ben c'est... on va prendre ça, hein. Comme ça, ça augmente les dégâts, puis on sera tranquille. Voilà, commencer la mission. A tout de suite. Je l'ai tué. Tu as son amulette. Elle ne sert à rien. Elle ne répond seulement qu'à Dante. Elle la lui a donnée. Tu te souviens? C'était toujours son préféré. Et ça, tu le sais. Elle adorait son impulsivité et sa nature instinctive. Va donc la trouver. Montre-lui ton œuvre. Et finis-en pour de bon. Excellent! Parce que là, on doit aller retrouver, bah, je suppose que c'est la mère de Dante et Virgile. Vu qu'il est dans un délire pas possible, Virgile, bah, ça me surprend pas quand on trouve sa mère ici, quoi. Voilà, par contre, j'ai activé son super truc là, mais j'aurais pas dû. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, tant pis. Ouais, comme c'est bon, il y avait des ennemis finalement, donc ça a été rentabilisé. J'aurais pu garder. Ah. Ouais, maintenant il y a eux là, je les aime pas, même avec Dante, je les aime pas quoi. Ils sont relous à mort. Je suis pas encore habitué. Ouais. Pas encore habitué à Yamato démon, alors je préfère pas trop l'utiliser. Et eux ils me gavent mais vraiment quoi. Oh. Tiens, dans tes dents, mange tes elfes. Y'a rien par ici, non. Et Virgile elle a l'air plus abattu qu'avant. Genre ouais, j'en ai rien à foutre. Là-bas, je vois une plateforme. Ne t'en fais pas, mère. Tiens, ça dure pas. Ces cauchemars seront bientôt finis. Ouais, il pense pas ce qu'il dit. Il pense pas du tout ce qu'il dit. Ce qui va lui faire peur. Et peut-être même la tuer, hein, qui sait. Tellement il est jaloux. Hop. Une croix de santé, tiens, ça augmente sa vie et en plus il récupère, donc c'est nickel. C'est ce dont j'avais besoin. Vu que j'ai fait nimp en début de partie. Ah, une âme perdue. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, Virgile, des âmes perdues? Vu que c'est un enfoiré de première. Bah, je sais pas, il en a plus rien à foutre de tout le monde, alors. Je sais pas, c'est étrange. De l'eau. De l'eau. Ouais, c'est par là, ok. J'étais fasciné par cette eau qui est si claire. L'arène est grande, il y a des ennemis, forcément. C'est dommage parce qu'on reconnaît dès qu'il y aura une flopée d'ennemis.
c'est moins le cas dans le la campagne. Ouais, mais c'est encore une autre sorte d'ennemi. Enfin, ils sont déjà dans la campagne aussi, mais ça me rassure parce que là, je commençais à avoir un peu trop de clones. Toi, tu vas prendre cher parce que je t'aime pas. Je t'aime pas, toi et ta famille, alors hop. Ouais, un jamais savage. Je sais pas comment on le prononcer en anglais, je suis pas doué. Savage. Parce qu'il dit chat. Savage. Hé, hey, toi t'es mort. Encore. Hé, hey, ils tiennent à avoir des câlins. Hein. Toi, tu vas pas me faire chier longtemps. Parce que je te hais. Ouh, doucement. Je fais nappe. Allez, je vais faire augmenter mon rang. Bim. Yes, c'est bon ça. Dans tes dents. Tu ne me toucheras point. Ouais, par contre, là, ça diminue. Je suis repassé en S. Ça va trop vite. Headshot. Le portail. Peut-être une cinématique? Non, même pas. Une statue du temps, mais bon, je crois que j'ai pas grand chose. Ah si, j'ai quand même un point. Alors qu'est-ce que t'as pas monté? Dévastation, c'est quoi? C'est les coups basiques? Bah ouais, pourquoi j'ai pas monté ça tout de suite? C'est primordial. C'est le truc qu'il faut monter. Ouh là 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 là. Qu'il faut monter en priorité. Oh non, tu déconnes. Allez, tu peux le faire. Allez, il faut vraiment être à ras de la plateforme. C'est abusé. Hey. Une petite étoile. De votre pas. Non, c'est bon. Impeccable. Cette ambiance, c'est énorme. Je kiffe. J'y suis presque. Il a pas l'air trop inquiet. Oh, nom de Dieu. Allez, viens là toi, viens là. Je vais m'occuper de toi en premier. Oh, même pas le temps d'esquiver. Ouais, il est mort vite, hein. Ouais, il est beaucoup plus fort, Virgile. Vu que j'ai pris l'amélioration pour le Yamato. Non. Un gros. Viens là, petit. Viens voir papa. Allez, crève. Retourne en enfer.
Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça va piquer un peu, mais bouge pas. Voilà. Tiens, c'est quoi ce délire? Intéressant. Je pense que c'est pour plus tard. Ouais, c'est pour plus tard, parce que j'ai vu une plateforme qui est à l'horizontale, mais bon, c'est pas... Je peux pas l'emprunter. Alors, deux chemins se présentent. Voilà, bah il y a une plateforme folle. A mon avis, c'est par là parce que ça a l'air complètement tordu. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Ah, j'ai activé trop tôt. On va attendre. Ouais, parce qu'elle s'arrête, je pensais pas qu'elle s'arrêterait. Ouais, c'est encore trop tôt. Là, c'est bon. Ah, le comité d'accueil, comme d'hab. Elles sont puissantes ces lames illusoires. Parce qu'elles pètent le bouclier. Viens là, petit petit. Viens voir papa. Aïe aïe aïe. Dans le vide. Tu ne m'auras point. Allez, lâche ton bouclier. Bats-toi comme un homme, là. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Bam! Oh non! Ouais, ça fait pas grand-chose. Faut l'amélioration. Troisième amélioration, de ce coup-là. Et je suis sûr que ça fait un truc de folie. Allez, toi, je vais me faire plaisir. J'aime bien ce coup-là, mais il est pas évident à placer. Il est moins stylé que quand on l'affronte avec Dante. Mais il y a un moyen, je pense, en augmentant le niveau. Il y a trop de monde là. Ouais, c'est bon ça. C'est stylé à mort. Ouais, trop bon. Pouah, ce que je leur ai mis. C'était génial. On progresse, on progresse. Ah, je sens que j'aurais la tête à l'envers. Non, même pas. Alors. Ok. Là, j'ai vu... Ouais, je vois la plateforme. Ouais, mais c'est à l'envers, hein. Je pense que j'y suis pas encore. C'est quoi ce délire? Ah. Ah, il faut enchaîner les portails jusqu'à emprunter le bon chemin, entre guillemets. C'est génial, ça, ce mélange de ville avec les lampadaires et tout, et en même temps de décor brut. Ah, j'ai rien. Attendez voir. Croix de santé, croix de diabolisme. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais que ça va vite coûter cher en orbe, mais bon. Croix de santé, ouais. Est-ce que ça me redonne de la vie? Ouais, génial. Je vais prendre ça aussi. Oh, allez, je vais tout claquer dans le diabolisme. De toute façon, la santé, si je fais attention, ça le fait.
Et puis le diabolisme, ben, vu qu'il se régénère en butant des ennemis, en tapant, ça va aller vite, quoi. Donc il y a moyen. Allez, on va passer par là. Une statue. Ah, la sirène. Je la hais. Ouais, surtout quand elle fait ça, voilà. Ah! Mais c'est pas possible ça. L'énergie, il est trop lent aussi. Waouh! Ce qu'elle s'est mangée! Passage secret. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais où ça va nous mener? C'est quoi ces bruits? Ils sont en train de faire des trucs pas très catholiques avec la mère de Virgile. Emprisonneur, je vais te faire ta fête, mon coco. Ce soir, tu vas dormir tout seul. Aïe, je dis ça et je me fais déglinguer là. Mais c'est quoi ce qui laisse traîner là? C'est des fougères, c'est quoi? Hein? Allez, viens te battre comme un homme. Nom de Dieu, il commence à me gonfler lui. Hein. Ah, il est enflammé, ça y est, on peut plus rien faire là. Je crois que c'est le premier boss qu'on affronte hein, avec Virgile. Je me trompe? Je crois pas que je me trompe. Ça y est, il est calme. Non. Ouais, y a moyen, il suffit juste d'esquiver comme ça. Ah, dès qu'il fait ça, hop, on tape. Ouah, c'est tout. Ah, c'est pas un boss en fait. Non, c'est pas un boss. Bon, cinématique. Virgile, quelle joie que tu sois là. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Virgile? Virgile? Qu'y a-t-il? Il est mort. Comment? C'était moi. Quoi? Je l'ai tué. Tu l'as tué? Mais pourquoi? C'était ton frère. C'était ton préféré. Je ne pouvais pas être aussi bon. J'étais toujours au second plan, tapis dans son ombre. Mais... plus maintenant. Mais... je vous aimais l'un comme l'autre. Tu viens à mon secours.
pour me briser le cœur. Pourquoi ? Regarde-moi, Vergil. Je suis là pour dire adieu. Qu'es-tu devenu ? Et notre puissance, elle a servi à tuer, après tout ce que nous t'avons enseigné. Tout ce que vous m'avez enseigné était faux. Je tiens de vous la puissance, et rien d'autre. C'est moi qui t'ai mis au monde, qui t'ai aimé. Et tout cela n'a pas d'importance. Où est ton cœur ? Mon cœur n'existe plus, mère. Non, Vergil. Adieu. Non ! Ne me quitte pas, Vergil ! Ah, Vergil est dans un de ses délires là. Là, il tourne une page avec tout le monde. Je pense que le suivant, bah, ça sera son père. Très certainement. Et ça m'étonnerait pas que ce soit le boss ou un truc dans le genre, quoi. Je pense qu'il y aura un affrontement qui est en rapport avec sa famille. Enfin, ça doit être un truc dans le genre. Parce que là, il est en train de renier toutes ses origines, il fait une croix sur tout, il va être un solitaire, ça se voit clairement. Et puis il va devenir parano, je pense, parce que là, il se parle à lui-même. Enfin, il voit son double et il se parle. Enfin bref, c'est plutôt pas mal, c'est marrant. Bon, pour l'instant, je trouve que ça apporte pas grand-chose à l'histoire, parce que... Bah voilà, tout ce qu'on sait sur Vergil, c'est qu'il va péter les plombs et que Dante, il va à nouveau lui casser la gueule. Voilà, c'est prévisible. Après, il faut voir comment que c'est amené. Pour l'instant, c'est light quand même. Hein. C'est vraiment light. Mais je vais pas casser le DLC à ce niveau-là de la progression. On verra par la suite. Donc moi, les amis, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.